un Christ byzantin veillant sur des soldats. Et moi, éberlué, cadavre encore debout. Mais pourquoi ? Autrefois, ces hommes l'attachèrent à la proue, jaloux et bien narquois face au chien des putains. Il avait donné l'ordre. Il avait oublié. La condition me conditionne. Je priais. Je priais que faire d'autre. Qu'il ne t'arrive rien par devers moi. Et où donc, sinon, mon petit cœur, mon petit chat ? Étreint à la gorge et au ventre d'une peur de tous les diables, mon ennemi serein, pourrissait sous un cèdre. Cette femme rouée de coups par des marins fantômes. Il eut cette dame aux dents gâtées, penchée à sa fenêtre, nous jetant des cailloux, qui continuait à rire de cette toupie folle aux mains des matelots dans la rue Argentine. Dans la dernière ligne droite, dont la physique nous dit qu'elle ne peut exister, un grand démon, affreux, tapis dans le fossé, mais haut comme le son de maison, nous regarde passer. Mais il est la maison et nos abris de guerre. Il a fallu tourner, un peu trop brutal. De bord, on a viré, viré comme un malpropre. Un trader remercié. Et pourtant, la danseuse en loin sur les cailloux invitait au repos. Au bras d'honneur mystique, que nous nous souvenions encore du mal déjà commis par nos doigts et nos âmes.